Allez, si tout le monde c'est bon, j'espère que vous allez bien, moi c'est super. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Fallout 4, oh yeah. Aujourd'hui, on va aller désinguer des méchants, on va aller désinguer des bandits, oh yeah. Oh, je suis chaud patate. Bon, alors, on va éviter de passer par là-dedans. Enfin, attendez, parce que apparemment, nos chers amis de chez Bethesda ont fait une mise à jour des fonds marins quand on est en armure assistée. Donc avant c'était tout dégueulasse et tout. Et maintenant c'est censé être beau. Donc on va voir ça de suite. Sinon après on passera par là-bas. Parce que quand on est en armure assistée, on coule. Vous allez me dire c'est pas étonnant. Non, cool, vas-y. Ouais bon, alors moi la mise à jour je la vois pas plus que ça. Donc hop, on va sortir. Hop, voilà, comme ceci. On est sorti de l'eau. On a la petite arme qui est sortie, il y a un commissariat, il y a des bâtiments un peu partout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est aller par là-bas, donc on va aller passer par là. Attends, on est... What? Attendez, c'est quoi ça? Vas-y, the fuck. What? Clé mixte, du poisson, très bien. D'ailleurs, je me suis libéré de tout mon bric-à-brac. Pour alléger le poids. What? C'est quoi? Qu'est-ce qui est parti? What? C'est quoi ce bordel? J'ai envie de savoir c'est quoi. What? C'est quoi les trucs ici? What? Y'a quoi ici? Y'a quoi ici? Lady Lovelace défie Vierge de Fer dans un duel en tête à tête. Ne ratez pas ça. What? Retour sur la piste. What? Ils sont au coude à coude. Moi, Ada toujours très discrète. Merde là. Eh, j'ai rien fait, j'ai à peine d'arriver, wesh. Hop, nous on va passer. Voilà. Petit rollback. Oh, des pillards et des tueurs à gages. Dégagez, vous gênez la course, lol. Ah bah ça fuit. Qui c'est ça? What? Attends, est-ce qu'on peut lui mettre un shot? À votre avis, headshot, headshot loupé, headshot loupé, headshot loupé. Et... Yeah, GG. Alors, je sais pas ce qui se passe ici. Ah, ok, je pense avoir compris. Ah, ok, non, si, c'est bon. Mais oui, c'est ça, c'est moi qui vais te faire la peau, mec. Enfin, normalement. Ok, donc ça, c'est bon. Non, par contre, du coup, comme on est dans une zone qui est normalement facile, on va juste changer d'arme. Oh, la petite musique en fond qui est vachement sympa, j'aime bien. Hop, on va passer sur un petit pistolet 10 mm. Pillard psychopathe. Tu parles, ils sont défoncés les pillards. Avec... Oh là, une belle chute de FPS. Bon. Ah, lui j'ai envie de me le faire au sniper. Merde, loupé. Oh, lol. Préparez-vous à trépasser. Bah, dis donc, elle a un beau vocabulaire, elle. J'aime bien. Vierge de fer. Bon, alors je comprends pas. Je comprends pas le bordel. Je vous avoue que je comprends pas le délire. Votre disque. Ah, mais bouge! Ada, bouge! Ok, viens! T'es mort! Enfin, je crois. Le mec, je suis pas sûr, mais normalement, t'es mort! Même. Ah! En plus, on a une petite musique en fond. C'est de la merde. De violence, bah dis donc. Ouh. Rêve à tout. What? C'est quoi qui me tire dessus?
pillard crassou tu parles, oui. Merde, merde, merde. Tab, annule. Ça sert à que dalle. Mince, mince. Allez, yeah, galette. Mais ils sont combien? Et eux maintenant ils sont considérés. Oncle Bob, what? Ils sont considérés comme des ennemis? What? Bon, je vous avoue que je comprends pas trop la zone là. Oh yes, une épée d'officier chinois, j'aime bien. What? Bon, alors si quelqu'un a compris le délire. Personne, personne, meuf. Et what, ça tire d'où? Ok, lui il est vénère. Critique? Ouh, coup critique. Bon, vas-y, Tab, je vais le faire moi-même. Ce sera plus rapide. Mince, 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 Ada qui va prendre cher. On vient en support à Ada. Bah oui, c'est normal, elle est morte. Enfin, je crois. Et non, t'inquiète, je crains rien. Enfin, je suis assez grand pour me débrouiller tout seul, normalement. Bon, j'ai dit normalement, hein. Ouais, ouais, ouais. Tas de ferraille, oncle Bob. Ada qui les assoit sans pression. Bob, tu te calmes. Tas de ferraille, tu te calmes. Et tas de ferraille 2, tu te calmes. En mode recherche et destruction. Pardon. Qui ose me tirer dessus, bordel? Oh, il est là-bas, il est trop kawaii. Bon, en vrai, je m'en bats. What? Ah, okay, non, ok, oui, j'ai compris la zone, mais enfin, ce que je comprends pas, c'est l'utilité de la zone. Ouais. Parce qu'en soi, la zone. Easy. En vrai, la zone était quand même simple, hein, on va pas se le cacher. Bon, à part les connards qui spamment autour elle. Purée, lui, faut le voir en vrai. What? Mais oui, c'est la peur de mourir, meuf, je te comprends. Mais arrête de bouger! Non mais oh! Où va le respect? Je cherche le respect, s'il vous plaît, messieurs. Vierge de fer, what? Vas-y, t'as bien fait de te montrer, mec. Mais il y en a combien? Il y en a combien dans cette zone? Ernie l'oppressé. Ouais, c'est cool, mec, que vous soyez là, mais moi, j'aimerais bien savoir comment on fait pour monter. Fais comment? C'est tout ce qui m'intéresse, hein. Attends, d'après ce que je peux voir, là il y a un pont. Donc normalement, si tout est logique, on doit prendre le pont. Mais non, ils n'utilisent pas un camouflage. Ah ok, faut monter par là. Hop, voilà. Si j'y arrive, hop, tu grimpes par là. Là, t'es sur la passerelle. Ok, c'est sympa. Tu continues par là. T'espères pas pouvoir passer avec ta grosse armure assistée. Et ok, la sortie est juste ici. Ok, bon, c'est à peine casse-couille pour aller à l'étage, dis donc. Ernie, choupinou. What? Il a quoi comme arme? Bon, en soi, what? En soi, je l'ai baisé. Clé dernier oppressé, mot de passe. Ok, une mitraille. Bon, c'est de la merde. Mot de passe dernier, hop. Ça, à quoi ça va servir? Veuillez patienter. Commande des robots. What? Arrêtez la course. Changer d'itinéraire. What? Ah, c'est sympa, il y a pas mal de trucs.
C'est tout ce qu'il y a? Ah, je suis déçu. Ouh, une petite malle. Bon, après le reste, c'est pas cool. Enfin, c'est sans plus. C'est sans plus. C'est tout? Attends, il y avait la clé dernier le pressé. Donc la clé techniquement doit bien ouvrir quelque chose. Ada, je suis là si tu veux savoir. La clé doit ouvrir quelque chose, logiquement. Si tout va bien dans le... J'ai eu de la chance. What? Voilà. Là, toujours la petite chute de FPS au bon moment. Alors, c'est par où le truc qu'on utilise avec la clé d'Eddie? J'ai envie de savoir. C'est juste ça. C'est de la merde. Mais y'a que dalle en plus. Y'a que dalle. Ah, un radeau, oui, c'est cool. Sinon, ouais, y'a que dalle. Bon. Bah, ma foi, on nous... Mais Ada, mais bouge. Purée, ah, qu'ils sont cons. Non, mais je parle pas des robots en général, hein. Ah, les robots qui me regardent, je voudrais pas que vous soyez choqués, mais c'est des compagnons en général dans le jeu, ils sont cons. Bah oui, ils sont cons. Voilà, je le dis. Donc, c'est par là-bas qu'on doit aller. Bon, c'était sympa comme zone. En vrai, c'est dommage parce qu'on aurait pu plus s'amuser, je pense. Donc, hop, on va... What? Tout à fait, monsieur. Et moi, je suis censé passer comment? Ah, ok, par là. En tout cas, ça a l'air sympa comme zone là-bas. Attendez, juste, on doit aller par où? Carte. Ah, genre, on est censé arriver par le haut. Bah, moi, j'arriverai par le bas. Ensuite, j'irai chercher l'autre. Ou alors, ce que je peux faire, c'est passer sous la flotte en mode discret. Ouais, non. On va passer sous la flotte en mode discret, je pense. Ce sera plus drôle. Mode discrétion activé. Hop. On vous cache pas que c'est extrêmement lent comme gameplay. Je vous retrouve quand on est de l'autre côté. A tout de suite. Et ok, on se retrouve. Bon, on est encore sous l'eau. Mais normalement, j'ai fait un peu plus de la moitié du chemin. Et on peut voir que c'est sympa, sans plus. Donc là, j'ai découvert au Libertalien en passant à côté. Et on se dirige vers l'autre côté du truc, encore et toujours. On y est presque. Donc c'est plutôt cool. Attendez, où il faut qu'on aille à l'appontement de... Rejoignez le chasseur. Mais il est de quel côté le chasseur? Bordel de merde, faudrait savoir. What? Il se passe quoi? Puis-je savoir quel est le fut? Bon. C'est normal mec, je n'ai jamais été là. Bon, après je sais pas où il est le chasseur. Ah, ça c'est un hélico de la confrérie, ok. Bah, attends, on va se TP à l'autre bout. Mais il est où? Eh, faudrait savoir où il est le chasseur. Bordel de merde. Mais... Enfin ouais, mais enfin là les gars, les ennemis s'ils m'ont détecté, bravo. Donc faudrait que je remonte par là normalement. Tout à fait. C'est par où la côte? Ok, la côte, c'est par là. Normalement. Ouais, quand on va par là, ça a l'air d'être là. Ah, regardez, il y a un vertiptère. Ok, donc là, on est quasiment à la surface. Le problème, c'est que quand on va sortir de l'eau, ça va être légèrement la merde, étant donné que nous n'aurons pas les armes nécessaires à opposer aux gentils ennemis ou aux méchants ennemis. Hein. Mais généralement, ils sont gentils parce que je l'ai décidé ainsi. Bon, c'est bon. Merde, ah oui. Ah bah forcément. Quand je veux sortir, il n'y a pas de plage. Oh non, purée, pas encore cette vanne des pillards. Bon, c'est bon. Bon, je pense que le jeu, il avait pas prévu que je fasse ça à la base. Donc,
Ok, bon, je vois pas trop ce qu'on est censé faire une fois qu'on est là. Par là, tout à fait. On va fouiller en attendant, on va fouiller. Pendant qu'ils font muse avec la confrérie. En tout cas, c'est sympa comme zone, les docks. Ouh, ça, c'est l'hélico de la confrérie qui ouvre le feu, les gars. J'ai envie de voir ça. Il est où? C'est où? C'est où? Il est où? Ok, juste ici. Là, on peut voir qu'il y a un pillard juste ici. Ok, on est en attention. Bon, apparemment, le chasseur est de l'autre côté, donc c'est plutôt chiant, on va pas se le cacher. Où est mon fusil de précision? Il y a ici celui-ci. Hop. Arrêtez, s'il vous plaît, de tirer de cette manière brute et sanguinaire. Hop, attaque furtive, easy. Hop, attaque furtive, easy. Vraiment, ce snipe, il est cool en vrai. Bon, alors là, on a la confrérie qui est en... J'allais dire en tireur d'élite, mais non, en support aérien. Donc c'est plutôt cool. Même si je n'ai pas demandé de support aérien, ils sont là de même pour, comme ils disent, exterminer la... Oh, dommage. Pour exterminer la vermine du Commonwealth, n'est-il pas? Waouh! Oh non, on est tombé! Mince. Mince, 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 mince. Mince, 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 mince. Je ne voulais pas tomber. Bon. L'hélico, il a pris cher, je crois, là, non? Ouais, il a pris cher. Purée, ça veut dire qu'ils ont... Si l'hélico a pris aussi cher que ça veut dire qu'ils ont un bon équipement. Ada, bouge! Ah ouais, mais s'ils ont un bon équipement à ce point-là, on est dans la merde, les gars. Qu'importe, nous allons faire trois vidéos dessus. Trois vidéos sur ce lieu. Le problème là, c'est vraiment Ada. Je pense que le problème va être lié. Ok, il y en a un là-bas. Je le vois. Ah, vraiment ce snipe? Vraiment ce snipe, ouais. Il est plutôt cool, il fait pas mal de dégâts et ça permet de one shot. What? Il est où? Tout à fait. Où est-il? Je le vois pas en fait, c'est ça qui m'embête. Ok, il y en a un là-bas que j'ai pas eu le temps d'avoir. On les spot, on essaye de tous les spotter avant de continuer. Ok, très bien, génial le truc. Ok, il y en a un là-bas. On va attendre qu'il passe et... Mince, je l'ai pas eu. Mince, mince, mince. Et où sont les autres? Je crois qu'on en avait vu un autre, non? Non. Oui, mais ils sont où? Donc là, oh, rien, rien. Il y en a un là. Mais arrête de bouger, mec. Putain. Où est-ce qu'il est, ce foutre? Bon, vous savez quoi? C'est l'heure pour l'assaut. Easy, ça va être easy. Je vais sûrement mourir 36 fois. Et tant qu'on y est, hop. Petite sauvegarde. Voilà. C'est... Ils ont un Fatman ou quoi? Ah non, quoique, ça doit être un mortier. Bon, alors ça, si vous voulez savoir ce que c'est les restes de l'hélico. Et oui, le feu, ça brûle sous l'eau. Non, c'est complètement débile. Saloperie de spot. J'aime pas les spots experts. C'est pour nous, ça, c'est pour nous. On est un expert. Ou presque. Ça dépend des matières. Mais bon. Ouh, nice. Alors, Medic, c'est buff out, je prends. Cartouche au plasma, je prends. Carburant de lance-flamme, je prends. Radoway et buff out, je prends. Avancée facile. Ok. Ok, c'est quelque part par là, je dirais, comme ça. Ah merde, presque. 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 Hop, comme ceci. Ah, on y est presque. Voilà. Yay! Ça passe. Alors, ça c'est... Ouh, bah dis donc. Alors après, ça en soi, je... Oh, 62 de dégâts. En vrai, 62 de dégâts, c'est cool. J'ai... Pour un... Eau de vie Bobrov. Bobrov. Je sais pas comment ça se prononce.
Bon, c'est encore un truc russe, les gars, donc voilà quoi, j'ai envie de vous dire. On fouille partout, pourquoi? Bah, oh, bah, voilà pourquoi faut fouiller, tout simplement. Parce qu'il y a un peu de tout qui est caché un peu partout. Et donc, c'est toujours utile de fouiller. C'est bon, c'est quasiment le même crochetage qu'on a fait précédemment. On n'a pas les mêmes choses. Ouh, une grenade cryogénique. Ah oui, quand même, ils ont pas du matos dégueu, hein. Ils n'ont pas du matos dégoûtant. Loin de là, même. Donc, après, ça continue par là-bas et par là-bas. Donc, c'est pas ça. Fusil de précision. Sauvegarde auto. Ouh, toi, t'es mort. Attention, monsieur. Non, c'est une blague. Je crois qu'on n'est pas seul. C'est une blague. Ça a tiré un nanomètre à côté de lui. J'ai cru en voir un là-haut. J'ai retrouvé la cible. Mais cache-toi là, tu vas nous faire repérer après. Et je pourrais plus mettre de critique parce que je suis en cachet. Ah non! Encore loupé! Ah, je te... Bah voilà, c'est mieux comme ça. Toi... Merde, il a bougé. J'attendais de l'avoir en pleine ligne de mire, mais... Mais il est pas... elle est passée où l'autre? Non mais... Oh lol, le chat qui lui laisse un de... qui lui laisse un demi point de vie. On en parle de lui là. Bon, je m'en fous, je viens de me le faire. À ne pas ressortir de son contexte, comme d'habitude, je vous prie. Oh, mais non, mais vous. Ce qui est bien avec Ada, c'est que mine. Merde, putain. Avec Ada, mine de rien, elle est bien puissante. Bon, elle est un peu coconne sur les bords. C'est un robot. Faut pas trop en demander. Oh bon, attends, là le sniper, j'y arrive très clairement pas. J'ai bien envie d'essayer ça. Oh, c'est trop stylé, c'est genre un Colt. Ouais, j'ai rien dit, on va reprendre le sniper. Ah bah voilà! Scrogneugneu. Scrogneugneu. J'ai pas dit ça depuis un bail, dis donc. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment... comme c'est... J'ai l'impression que c'est le plus grand repère de pierre de la carte, hein, très clairement, surtout avec ça. Ah, mais c'est un putain de repère, en fait, le truc. Bon, ça va être sympa à explorer, hein. Quoique, non, j'ai d'abord envie d'aller explorer là-bas, du coup. Attendez, par contre, du coup, j'ai bien envie d'essayer ça qui m'étonne comme arme. Enfin, si, je sais que les Colts, c'est puissant, mais... Enfin, vous avez vu quand même la puissance du truc. Et puis surtout, le bruit qu'il fait. Donc là, c'est quoi? Ouh, voilà pourquoi faut toujours tout explorer, les enfants. Un peu de soin gratuit, ça fait toujours plaisir. Et là-haut, il n'y aura rien. Génial. Bon, bah, c'est cool, on aurait eu un peu de soin gratuit. Ada a réussi à remonter, je ne sais pas comment. L'épave qui brûle encore sous l'eau, c'est cool. Moi, il y a que deux matières qui brûlent sous l'eau que je connais. Il y a le feu grec, qui fait partie de la mythologie grecque, qui brûle sous l'eau. Et... Attendez. Non, c'est bon, je vois personne. Il y a le feu grec et il y a aussi le napalm. C'est deux seuls trucs qui brûlent sous l'eau, à ma connaissance. Je pense que quand l'hélico explose, ça devient pas du napalm. Donc voilà quoi, les gars. Assurez-vous de ne rien. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, Ada. Je prends tout. Ok, elle est là-bas, très bien. Ouh, la petite cartouche de munitions. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils ont vraiment. Attendez, je suis pas allé voir par là-bas. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment pas mal de matos. Donc, c'est une bonne zone. Pour moi, c'est une bonne zone. Oh, la bouée, est-ce qu'on peut la prendre? Oh, oui, on peut la prendre, cool. Je m'en servirai chez moi pour décorer. En souvenir. Le mec, c'est souvenir de vacances. Ouh, oh, yes, un fusil d'assaut. Les fusils d'assaut, en vrai, c'est pas si whisky, non, sans façon. En vrai, les fusils d'assaut, c'est pas si puissant que ça, je vais vous l'avouer. Mais... Et puis le gros problème, je trouve, des fusils d'assaut, c'est... Oh, yeah. Le gros problème des fusils d'assaut, je trouve, c'est que c'est c'est quoi ce truc? What?
Ah, c'est de la vodka, ok, très bien. Non, la vodka, je suis pas fan, de toute façon, je vous la laisse, messieurs. Et je trouve que le gros problème des fusils d'assaut, c'est que... ouais, ok, très bien. Est-ce que c'était par là où on était censé passer? Attends, je regarde. Non, ok, donc on va d'abord aller sécuriser la zone. Oh, très bien. Here we go. Oh, et on a trouvé des cœurs nucléaires, j'avais pas fait gaffe, mais on en a trouvé apparemment. Danger. Ah oui, effectivement. Bon, on va tester la puissance du Colt. Ah oui, quand même, c'est pas mal. Bon, après, le gros problème, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est du coup par coup. Mais quand même, honnêtement, niveau puissance, silencieux, sérieusement, bolos. Honnêtement, moi, niveau puissance, il me satisfait. Je suis content. Oh, par contre, ils ont... Ah, c'est peut-être pour ça que c'est aussi simple, c'est qu'ils doivent être torchés comme pas possible. Tu vois, ils se sont dit, ouais, non, c'est bon, il n'y a personne qui va nous asseoir ce soir. On peut se bourrer la gueule, ensuite on va en boîte. Coucou. Il m'a pas encore vu, sérieusement. Ouais, je pense qu'ils se sont dit, on peut se bourrer la gueule, ensuite on va en boîte. Il n'y a personne qui viendra ce soir. Mais manque de peau, je suis venu. Donc, vous allez tous mourir. Niark, 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 niark. Essayez de vous représenter quelqu'un qui fait un rire sadique. Allez. Je sais que c'est pas crédible. Je sais que quand je dis, que quand je m'identifie à quelqu'un de sadique, c'est pas crédible. Enfin bon, imaginez, s'il vous plaît. Ouh, des capsules. Bon, c'est sympa, c'est bien aménagé comme truc en vrai. Bon, à part le gros pro. Enfin, si j'habitais ici, je pense que. Ah oui, quand même, ils déconnent pas sur leur matos, hein. Oh, mais je pourrais revendre tellement de trucs. Oh mon Dieu! C'est juste magnifique le nombre de trucs que je pourrais revendre. Oh, c'est trop bien. En vrai, cette zone est super sympa à habiter. Imaginez, bon, c'est vous le chef, bien entendu, parce que si vous n'êtes pas le chef, enfin. En tout cas, bref, enfin, c'est avec des gens que vous connaissez tous, vous habitez là. En vrai, si c'était pas des pillards, ça pourrait être super sympa comme truc. Avancez, on va essayer. Je vous promets rien, mais on va essayer. Finally! Non, purée, génial. General, oh non, purée, ça va être méga dur comme truc encore. Oh, je déteste le déverrouillage de terminaux, c'est le truc que je déteste. Ah non, alors là, je suis désolé, mais je n'ai vraiment pas envie de le faire. Bon, je préfère le déverrouiller manuellement, le coffre-fort, parce qu'en plus, à tous les coups, ça aurait été pour déverrouiller le coffre-fort. Donc voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Ah, presque. Et vous voyez que niveau déverrouillage, honnêtement. Ça y est. Je suis plutôt doué, hein. Je voudrais pas dire, mais. Oh yes, les montagnes, c'est trop cool en vrai. Ouh, bah dis donc. Et bah dis donc. Et là, par là-haut, on y va comment en fait? Parce que moi, j'ai envie d'aller là-haut. Parce que j'ai vu un truc et j'ai envie d'y aller. Ok, par là. Ouh, la petite caisse d'explosifs! Oui, parce que les caisses en bois dans le jeu, c'est synonyme de caisses d'explosifs. Et oui, c'est comme ça. Oh merde, j'ai pris la gamelle du chien. Ah mais en vrai c'est trop bien, c'est la zone des coffres-forts les gars. Oui, les coffres-forts se déverrouillent tous à peu près pareil, donc ça va. Bon, je casse des épingles à cheveux, mais honnêtement j'en ai tellement que c'est pas si grave que ça. Bon. En vrai c'est correct comme zone, j'aime bien. J'aime bien. Ah mais... Un truc qui nous gêne ou quoi pour sauter? Voilà, comme ça passe. Bon, toujours très discret en armure assistée, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la base, la discrétion. Surtout quand tu fais... Ouais, basiquement c'est ça en armure assistée. Compensation avancée. Oh, il fait plus de dégâts que le mien. Je prends... Oh, dès qu'il m'a fait peur. Bon, en soi, le chasseur qui était censé nous aider... nous a pas vraiment aidé, on l'a fait tout seul comme des grands. On progresse, je progresse. J'arrive à jouer tout seul comme un grand sans compagnon. Bon, c'est vrai qu'il y a... Ouh! Ils ont combien de trucs? Mort au rat. Bon, je sais pas à quoi ça sert, mais je prends. Enfin, si, si, je sais à quoi ça sert, mais je vois pas l'utilité dans le jeu. Ah, c'est trop bien, en vrai, il y a trop de trucs pour te soigner et tout. Bon, après... Merde, 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 merde. Hop! Je peux quitter mon armure assistée ici? Merde, 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 merde. Il y a des pillards qui arrivent. Eh, mais ils sont vraiment cons, attends.
Niveau agilité, j'ai rien. Donc normalement, ma discrétion est censée être quasiment nulle. Ils ne m'ont... Ah bah voilà. Ils m'ont repéré. Enfin non, ils sont en attention, ils m'ont même pas repéré. Ah oui, quand même, ils sont bien teubés dans cette zone, j'ai l'impression. Ah, je te vois. Oh, dommage, le body. Pour ceux qui savent pas, un body, c'est quand tu fais un tir dans le corps. Mais je pense que la plupart d'entre vous le savent. Et si vous ne le savez pas, vous êtes nul. Le mec. Bouge, Ada, bouge. What? Il est où? Mais arrêtez d'aller dans l'eau! Bordel! Insupportable! C'est comme l'autre là qui dérive. J'espère qu'il va se faire bouffer par des poissons mutants. Parce qu'ils sont insupportables à fuir le combat. Non mais c'est vrai quoi! Ils fuient le combat. Ce sont des sous-hommes, des sous-êtres. Yes, une bouée de sauvetage. Bon, les bouées de sauvetage, j'ai compris que ça ne servait à rien à part à décorer. Moi, ça me fait kiffer de les prendre. Bon, en vrai, la zone est sympa. Moi, j'aime bien. Bon, mis à part que si j'avais pas l'aptitude. L'aptitude ami de l'eau, je vais l'appeler comme ça. Mais c'est pas ça, tous les coups. Je peux la désactiver comme ça. Non, mais comme ça, je peux. Ah, ok, très bien. Quand ça explose, ça me fait des dégâts. Dégage. Gnarc, 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 gnarc. Toujours faire le petit rire sadique. Toujours, 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 toujours. C'est tout? Oh là, merde, on a failli aller à la flotte. Ah merde, j'ai pris un truc que je jouais pas. Oh, c'est pas grave. Ok, tourelle. Ok, donc par là, je pense que c'était là où on était censé rencontrer le chasseur. Mon chasseur, je viens de. Merde, 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 merde. Yes, esquivé. Je suis trop badass. Monsieur le chasseur, veuillez vous montrer, sinon je vous défonce la gueule. Lol. Non, en vrai, la zone, ça va. C'est pas si dur que ça. Il est où? Yo! Vous devez être le chasseur que je dois accompagner. C'est exact. Matricule X688. J'ai déjà neutralisé le garde du périmètre. À votre signal, on pourra lancer l'assaut sur la flottille principale. Des infos. Qu'est-ce qu'on sait sur Gabriel, le synthétique? B5-92 se terre dans la cabane perchée sur le cargo retourné. On peut Ok. s'attendre de la résistance. Il est sûrement entouré de ses meilleurs combattants. Alors, on peut y aller? Here we go. D'accord, allons-y. Je vous suis. Et là, hop, vous voyez que j'ai mon lui, je peux pas l'équiper, mais techniquement, dans le jeu, on va placer un point de sauvegarde. Parce que ça fait partie. J'ai vu une vidéo là-dessus. Normalement, dans le jeu, tu ne peux avoir qu'un compagnon maximum, comme vous l'avez sûrement remarqué. Mais dans certaines missions, tu auras ton compagnon principal plus un compagnon secondaire uniquement disponible pour la quête. Mais du moment que tu finis pas la quête, eh bien, bah, tu peux le garder. Enfin, il va te suivre indéfiniment. Donc, c'est plutôt cool. Bon, après, là-bas, là, on les a tous tués. Bon, bah, on va continuer, ma foi. Qu'il y a des trucs à aller chercher là-haut, je pense pas. On va éviter de tomber à la flotte parce que le pro. Qui est par là-bas, la mitrailleuse. Ouais, j'ai entendu. Bon, vas-y, la mitrailleuse va pas me saouler. Ah, il est où mon fusil de précision? Bon, le gros problème de ce fut. Allez, vas-y, tire dans le mur. MK Mark 5, sérieusement? À quoi je pourrais comparer le Mark 5? Bah, en gros, c'est la cinquième évolution du truc. C'est-à-dire que c'est censé être un truc de putain de badass, de la mort qui tue. Mark 5, les gars, c'est énorme. Bon. Après, comme on avait déjà bien nettoyé. What? Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Qu'est-ce que des habitants ils foutent là, honnêtement? What? Oh, c'est trop sympa en plus avec le panneau là, j'avais pas vu. Bon, par contre, il est où le spot? En vrai, le spot, ça sert juste à
produire de la défense. Mais sinon, globalement, le spot, ça sert à que dalle. Bon, j'ai pris la spatule, j'aurais pas dû par là. Oh, sympa, un petit chemin de planche. C'est trop kawaii et ça nous mène. Oh là, ok, ouais. On va aller. C'est l'heure de l'assaut final. Ah oui, ils se sont fait plaisir, les bandits. Ah, ils sont fait plaisir, mais c'est horrible. Bon, les ratopes, c'est pas grave. Mais tout le reste, c'est horrible. C'est l'heure de... Ah merde, on doit passer par les planches. Donc je vais sûrement couler, tu vas voir. Ah non, ça par contre... Ça non, c'est horrible. Imagine, tu tombes là-dedans. Ah, mais c'est horrible. En plus, il y a plein de bouts de fer qui peuvent te transpercer. C'est horrible comme lieu. Bon, en même temps, c'est un repère de brigands, donc eux, ils s'en battent un peu les couilles, je pense. Ah, ok, donc là, ça rejoint où on était tout à l'heure. Bon, j'ai bien fait de faire un pré-nettoyage, quoi. Encore un coffre-fort, mais ils ont combien de coffres-forts? Putain, c'est coffre-fort land, je vous jure. Presque. Merde, j'y étais presque. Je pensais que ça allait passer. Là, normalement, c'est bon. Merde. Yeah, got it. Capsule, cartouche, c'est la fusion. Fusible, je prends. Ouh, du radix, c'est cool. Oh, juste pour le canon long, je prends. Bon, après, encore toujours plus de... Ouh. Mais en vrai, quand on va ressortir d'ici, pour aller revendre tellement de trucs. Oh, mais mec, mais j'avais déjà énormément de Steam Pack. On va aller voir ça de suite. Et en plus, on va arrêter l'épisode là. Oh, 97 impact normal. Bon, du coup, on va arrêter l'épisode là parce que ça doit faire un petit paquet de temps déjà. Donc, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Sur ce, moi je me casse. Ciao les bros, c'était Vron. À bientôt.